Un tank. Notre prochain Oula, requérant j'avais pas vu ça. A fortement modifié une Chevrolet 150 ouais. Utility Sedan. Il y a un truc qui dépasse du capot. Dans le but d'en faire une voiture de rallye, ce qui n'est pas culasse. Totalement du domaine de l'impossible. Non mais c'est pas censé être un lourd, c'est vrai. Mais avec 4 roues motrices et des suspensions de rallye, c'est faisable. La tentative du requérant s'est bien sûr soldée par un échec complet, mais je crois que la nôtre peut réussir. D'accord. Ouais. Putain, j'ai trop l'impression d'être dans la mafia, trafic. Ce genre de voiture, ce sera parfait pour aller chercher les juifs qui se sont échappés du camp finalement. D'accord, d'accord. Tournez à droite. À 200 mètres. Pense-y, il s'échappe à travers champ. Il va te faire une voiture pour les rattraper. Mais oui. Putain, on est mal. Prenez le virage serré à droite. Ouais. Autant dire que si on avait été là en 40, on parlerait encore un an aujourd'hui. Alors peut-être que j'aurais pu m'en servir pour accéder à l'indépendance de la Bretagne. Ouais, aussi. T'aurais pu. Ouais. Ah, il va falloir suivre la route encore. Ouais. J'ai failli me prendre un frein platane, mais bon. Tournez à droite. Ta-da-da. À 200 mètres. Oh, dommage. Fais chier. Attends, ça tourne pas, frère. Ah bah oui. Ah, j'ai remarqué. En plus, il a dit qu'il avait passé 4 roues motrices. À 200 mètres, tournez. Donc c'est pire, parce qu'il n'y a plus de barricade en plus. On se retrouve sur un pas de beau. Mec, c'est comme tu te souviens du mec qui a voulu faire drifter un gros GLE 63 AMG autour d'un rond-point et qui est fini sur le côté. C'est mal. Hein. Moi, ça m'a surtout fait rire parce que le mec est quand même vachement débile pour pas s'être rendu compte qu'une 4 roues motrices, ça tournera jamais aussi bien qu'une propulsion. Surtout que je crois qu'il avait loué. Aussi. C'est chou. J'en connais un qui va pas récupérer sa caution. Ça va être compliqué. Mais est-ce que la caution va pouvoir payer ça? Je sais pas. Oh oui, ok, il y a une petite rayure sur le côté gauche, mais. Ah voilà, ça passe. Il y a une petite rayure sur le côté passager, ok, d'accord. Mais. Et franchement, au coup de peluche, ça se voit plus. Hein. On est d'accord. Je vois pourquoi nous en mettre avec ça. Franchement, vous êtes un peu over dramatique, hein. Ça mérite pas de pas vraiment manger avec le cochon, quoi. Je comprends pas pourquoi vous me faites pas grand-faire. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Oula, attends, je vois une zone de drift. Bref. Alors, Kimi, on se sent tenté? Bah non, tu vois, ça me fait plutôt peur, en fait. Oui. Oui! Une voiture de rallye tout à fait convenable, sans oublier l'effet psychologique sur les concurrents qui se font dépasser par une voiture de collection. Christy. Buvez-en. Ah, salutations réitérées. Nous avons donc notre Chevrolet 150 modifié. Il ne nous reste plus qu'à vérifier si elle peut constituer une voiture de rallye compétitive. J'ai confiance dans les performances du véhicule et j'observe ta technique de pilotage expérimentale depuis assez longtemps pour avoir également confiance en toi. Oula. T'es sûr que tu regardais la bonne personne? Je... Ah, maintenant il va te falloir un copilote et ce sera moi. Oh non. Quoi? Non. Oh non. Ça va mal tourner ça. On sait à quel point vous êtes fiables les Allemands. On a bien vu que l'engrenage avec vous ça dure 5 ans et après... Et après, vous avez des problèmes d'endurance, hein, les gars. Bon, et après, j'avoue que nous, on baisse vite fait les bras et on se rend très vite. Mais... Mais... On les relève après, les bras. On a gagné. À la fin, on a gagné, quand même. C'est ça qui compte. Ouais, ouais. Comment ça, les Russes? On ne parle pas de Russes. Ça peut compter, on avait fait tout le travail. Hein. Puis bon, on part quand même d'un pays où les gens sont tristes, ils ont pas des chapeaux gris et des bottes en fourrure. Hein. Tiré accidenté, fais confiance à la suspension améliorée. Le mec, il est copilote, mais pas trop, hein. Il est autoki-woki dans son camion. Je lui fais certainement plus confiance qu'un Allemand un peu bizarre qui s'appelle Hans et qui. Hein. Putain, oui. J'ai pas où il nous emmène là, mais. Un endroit perdu dans les bois où personne ne pourrait nous entendre crier, ça pue, hein. J'avoue. Attends, laisse-moi revenir sur la roue. Vas-y.
Attends, on se met en forme, que le mets tout derrière la main. Ah, j'ai voulu te... freinage et nerf d'acier. Ah, attention. On prend le dos, on prend le shortcut. Ah, moi, je m'étais retourné. Allez Jimmy, t'as 30 secondes. Formation Salide, Salide à Tango. D'accord. Tire sur le frein à main, tire sur le frein à main. Non, il y a très satisfaisant. La voiture et toi. Le requérant sera ravi de savoir que nous avons réussi là où il a pitoyablement échoué. Ou peut-être pas. Attends, c'est ça la dernière épreuve. Depuis que nous avons commencé nos tests. On se foutrait pas un petit peu de notre gueule par là. Une mauvaise influence. Je veux que la voiture elle cabre. Un de ces nouveaux cas. Les c'est la voiture de Clarkson. Capacité et tolérance maximum absolue du buggy Meyers-Manx. J'espère qu'elle cabre, j'espère qu'elle fait quelque chose, parce que là je suis un peu déçu pour la dernière épreuve. Très bien, s'il faut tester le buggy, alors nous le testerons. Ça cabre pas. Non mais ça drift. Avant il se soulève hein. Oui un peu ouais. Tu penses qu'il y a moi je vais vraiment faire cabrer les voitures dans le ouais, jeu. Ouais j'ai vu une vidéo d'un mec qui avait réussi à faire ça avec un buggy. Oh yes. Il avait mis un aileron à l'avant. Je sais pas. Comme dans un grand tour. Ah oui. Non, c'est juste que le couple monsieur. Wouhou. Cet aérodrome sera parfait pour le test. En plus, nous serons à l'abri des regards indiscrets. J'ai me douté que le travail dans les assurances serait difficile, mais pas qu'il pourrait susciter autant d'intérêt. Oui, t'inquiète. Dans quelques mois, tu vas voir ces nouvelles voitures et tu fais écoutez, monsieur gosse, ça va être compliqué. 130 chevaux, c'est un peu trop. Nous vous conseillons de prendre une voiture de 68 chevaux. Ce sera parfait pour votre frère. Générer un profil télémétrique détaillé. Mais moi, une voiture fait l'automne. Ce que tu vas faire, c'est piloter et comme si tu te moquais de ta propre sécurité. Ah, ça avait l'air intéressant ce qu'il disait. Dommage. Oula, je suis un peu enfoncé dans le sable. Attends, quoi? Je pense que ça ne devrait pas te poser trop de difficultés. Là. Prends ça comme un compliment de ma part. Oh non! Attends, mais le but c'est. Faire des prouesses. Okay. Oui! C'est ça la dernière épreuve! Yihi! Elle est vachement bien cette dernière épreuve! Regarde aussi! On dirait que c'est pas comme s'ils avaient eu la flemme sur la fin. Non, pas du tout. Je vois pas quand tu dis ça, Kimi. Franchement, je trouve mauvaise langue. C'est vrai, excuse-moi. J'ai un petit peu trop vite. C'est ça. Tu juges un peu vite quand même. Je trouve que t'as. Hein, franchement, t'as le jugement facile. Aga. Voilà, voilà. Oh non, voilà. J'ai failli tout perdre. Alors je vais mettre mes points parce que depuis le temps que je les garde aussi. Ouais. Oui. Je suis à 39 200. Il veut pas. Allez, donne-les. Mais il en faut 200 000 pour les 3 étoiles, mec. Oh merde. Les tolérances du meilleur. J'ai 185 000. Nous n'avons reçu aucune déclaration de dommage. Comment ça, j'avais 184 000? À l'exception d'une autre. Ah.
Bon bah voilà. On va. Et ça va. Ouais. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Comment... Je viens de voir un screen sur Twitter d'une conversation qui débute sur Tinder. Et genre, le mec il lui fait « Ouais, j'aime beaucoup tes yeux. Oh merci, c'est gentil. » Et après, il lui répond direct « Tu sais quelle est la différence entre un chirurgien et moi ?» Le chirurgien, il ampute des jambes et moi j'enjambe des putes. T'es dispo à cette prochaine? Non, putain. T'es sûr qu'il en reste pas un dernier? Je regarde. Oh putain, oui, t'as raison. Il en reste un dernier. Last ride. En fait, t'as vu que le frère de Paul Walker allait reprendre son rôle. J'ai craint marqué notre dernière relation sur le plan professionnel et social. Du moins pour le moment. Tant qu'il y aura des assurances, mon ami, il y aura des déclarations bizarres. C'est le MX-5. Celle-ci, par exemple. Rebadgé. Le requérant a été le Mazda Miata MX-5 d'un moteur rotatif de 6. Type de moteur équipe d'habitude les aéronefs à hélice haute performance. Et ensuite. Et les RX-7. Oh, ça va brave brave, Kimi, brave brave. Si tu veux bien l'apprendre et vérifier à quel point c'est... Oh, par contre, ça fait clairement pas le vrai son, mais... Ah ouais. Oh putain, Oh, il a l'accélération, sa mère. C'est ce qui s'appelle un... Sans savoir que c'est un quadri-rotor, ça. What? La première phase du test s'effectuera sur des routes des campagnes, présentant des légères... Qui lui a fait je ne maîtrise rien. Let's go. Ils ont oublié de brancher les freins. Bien, les données sont adéquates mais incomplètes. Ne prête pas attention au bruit assourdissant, c'est tout à fait normal. Essaye de récupérer. Oh, le mur de la maison. Oh, le mur. Il a eu le frein brique. Je me suis brisé le frein, retiens du frein. Bien, passons maintenant à la phase des tests en conditions urbaines. Tu voudras bien tenir compte du trafic. Bah, il faut encore 4 ou 3 de vitesse. On va voir le 2 étoiles. D'ailleurs, ils sont bombardés pour le 3. On va ça. Par contre, c'est la voiture du sous-virage, hein, on est d'accord. Ah oui, non mais. Pourtant, normalement, si c'est un. Ah, il faut savoir que les RX-8 possède un repas de tir des masses de 55 ans. C'est qui l'en fait RX-8. Voilà, ouais, mais... tant qu'on a parlé de moteur rotatif, qui laisse pas finir. On disait, Luthor, le temps qu'on est. Voilà. Les RX-8 possèdent une répartition des masses de 50-50, ce qui du coup fait que, bah, genre, elle est, c'est une très bonne vireuse à plat. Elle mange les virages. C'est un véritable délice. Je vends le RX-8. Pas encore, non. Mais bientôt, un jour. Je suis coincé sur une ligne de chemin de fer. Ça rappelle encore ton truc. Les Allemands. Les heures sombres de notre histoire. La coopération avec les Japonais. Ah ouais, putain. Mais vraiment, franchement, ces épreuves à lui, c'est qu'il foule. Pourquoi Hirohito? Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'as coopéré avec les Allemands, Hirohito? T'en veux pas faire ça. Le 320 km/h sur la... Ok. Ok. Allez. On a ça du 3 étoiles. Ah, c'est intéressant. Voilà. Selon mes calculs... Là, mais 3 étoiles, il en faut 28. Hein. Ouais, ça y est. Moi, je suis cassé sur 28. Hein. Et pourtant,
Ouais, mais 17. Quand tu roules, en fait, tu les, ah, tu les enchaînes. Oui, c'est vrai que... Par contre, elle fait un son de moucheron. Ouais, et le problème, c'est que c'est pas du tout comme ça dans la réalité, quoi. Le rotatif, c'est grave dans les. C'est grave dans les. Dans les tours assez bas et ça monte progressivement dans les aigus, tu vois. Et bien que la demande d'indemnisation soit acceptée. Arrêtez, c'est un chessage. C'est un cliché. Le rotatif, ça casse pas, arrêtez. Je sais que tu es occupé sur le festival. Je suis sûr qu'on sera amené à se revoir, mais si tu devais partir, j'espère que tu envisageras de faire carrière dans les stations.